Côté Matou. Et pas Matou, levé. Matou, n'est pas levé déjà. Ça me demande faire le travail toujours. Tu ne sais pas quelle heure il est près de 8 heures. Tu vas être en retard à ton travail. Oh. Où est-ce que 8 heures? On ne peut pas réveiller moi. Ah, mais c'est trop tard, la clé. Oh. Ah non. Oh. Si vous avez un travail, c'est trop tôt. Oubliez pas que c'est comme ça que vous avez fait que vous devez à 7 heures seulement. Et bien, c'est pas vous et moi qui devez encore. C'est de la malveillance alors. Café! Oh! Quel est le café là? Ça y est là! Où vous pouvez même le faire commencer le café, café, café qui ça? Café qui ça? Ou pas qu'on est comme déjà dit, que c'est depuis que je me commençais blé ou vert, vous me l'avez déjà campé derrière votre là avec cabaret, café de l'homme. Oh! Ouais! Moi, je suis jamais dans les barricades! Mais je veux dire, attendez-le! Tout le temps que votre café à mon rêve, là, carbone là, il va pleuver. Mais là, un peu de café, on met. Et on met pas mon verre d'eau. Ça vous fait verre d'eau, hein? Ça vous fait verre d'eau. Ça compte faire verre d'eau en se levant le matin. Et tout ça, on est prêt. Pour vous, c'est d'homme. Pour vous, c'est d'homme. Vous devinez ça. Pour être capable de voir tout. Oh. C'est pas pour vous, c'est d'homme seulement d'eau là. Ou pas pour le faire, vous le matin, vous l'eau à jeun. Ou pas pour ça. D'ailleurs, c'est vous recommander dans la médecine. De quoi parler de médecine? Ou bien la guinée de tête ou bonne médecine? Bah, bonne médecine, encore le cas ici. Bon. Est-ce que Lolotte levée? Lolotte. Elle dort. Elle dort. Lolotte dort. Quand elle est levée, où elle est levée? Pour une jeune fille, la cabane toujours abdormi. Réveillez Lolotte pour moi. Mélanie, levez Lolotte. Oh, non, 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 elle dort. Bon, pas pour le bagage d'école. Si vous donnez le livre, pour qu'il ne soit pas dormi. Hé, café, est-ce que café a fini? Le café a oui. Non, pourquoi finir avec vous? Oublie qu'on finit.
ça me l'a dit à 5 heures du matin. Hop! Tu as comme Hitler. Hitler? Alors vous voulez comparer ma Hitler, vous me semblez à Hitler? Allez, donne-moi une couleur, je vais vous voir, pas des yeux. Tu vas l'homme. Ta ressemblance s'applique pas seulement au trait physique, mais aussi au tempérament, au disposé, au tort. Quand vous dites là? Aujourd'hui, vous faites tout le monde marcher dans le pays comme SS. Mais ça le dit où? Oui, comme les SS de l'homme intérieur. Ah, c'est une révolte alors? Une révolte familiale! Ah! C'est ça? Eh bien, c'est vous-même, vous pouvez nous révolter contre vous. Merde. Ton père fait
partie de cette catégorie d'hommes qui font la loi dans leur foyer et qui considèrent leurs femmes comme des objets, des choses. Cela me fait penser à mon avenir. À cause de mon tempérament, je n'aimerais pas tomber sur un mari irascible, grincheux, abusant. J'aimerais me marier à un homme poli, affable, qui me traite avec respect. J'aimerais que la paix règne dans mon foyer. Ils nous traitent de sexe faible. Mais en quoi donc consiste leur force? Le surveilleur veut jouer d'appuyer le nom. Il me demandait sur pied dès 5 heures du matin. Ton père est nuisible, il est vrai. Mais sur ce point, il y a tout ça. Je pense qu'il est mauvais pour qu'une jeune fille se lève tard le matin. Cette habitude pourrait être préjudiciable à la fille. Bonjour! Galita, sauté. Non. Continuez. Mansour, pédicure, manicure. Je ne sais pas, père. Pour qu'il ne vous donne pas le travail. Mansour, pédicure, manicure. Et pour y être, on va brûler. Pédicure, manicure, chagrin. C'est ça? Ah oui, vous m'avez une semaine, parfois il y a une zombie, non, garde ta zombie. Garde ta zombie. Alors c'est à l'heure ça, vous avez les coucher tout d'autres, deux violets. Pédicure, manicure. Il y a un mal. Ça? On courait à chez trois, à ce que vous n'avez pas donné. Non, pas bien toi. Ils sont là, les hommes qui prennent moi, savent qu'ils sont maîtres du foyer. Ah mais quand vous êtes égoué, pédé balayé en ville à France, il y a, pour parler de Vito Dio, bon, déjeuner vite, en fait, il vient. Bon, déjeunons vite, oui. Bien. Eh bien, je vais te prévenir d'une chose. Et puis, nous allons nommer des gens qui sont tout doués. Les femmes n'aiment pas qu'on leur marche sur les pieds. Vous donnez ça bien ou? Ah non, mais non, ouais. Depuis quelque temps, nous avons quoi pousser quelques proverbes drôles dans la caille là. Proverbes drôles, c'est ça, d'Asie. Ouais. Puis, ça va être un connaît. Oh, ça dit là. Les femmes n'aiment pas qu'on leur marche sur les pieds. Ha! Et pourtant, les femmes vont bailler comme ça, ils vont bailler la tête. Pourquoi tu dis ça là? Les femmes n'aiment pas qu'on leur marche sur les pieds. Dis-nous, ma belle, madame. Et puis les femmes aussi n'aiment pas qu'on leur pile les têtes d'orteils. Pas qu'on a vendu le chat levé, c'est pour te mettre d'eau chaude à voler. C'est un bloc, mais plus me guider la bain. Gardez-moi même, pas que l'homme vous passe. Après le bloc, ça ne fait pas, c'est moi-même qui reste avec. Gardez-moi, le jour où il me reste avec encore, moi, qu'est-ce qu'il y a passé là? Ça nous vient. C'est lui qui comprend tout le monde, ça avec moi, oui. Ah, mais si vous avez vu, c'est gardez-moi. Oh, levez-moi comme ça. Vous avez vu, c'est gardez-moi. C'est lui là. Gardez-moi. Gardez-moi. Oh, as-tu comment comprendre nous? Gardez-moi. Le génie. Déjeuner, vite, me pressez. Mélanie, est-ce que tu peux parler chemise ou pantalon ou comment? Monsieur, il y a un peu de monde qui fait chemise plus pantalon matin ou avant de vous parler. Pendant ce temps, m'a fait manger, m'a préparé pour faire, m'a envoyé une petite boîte de l'autre bord pour faire toute bagaille pour mettre en tête de même gain. Est-ce que vous demandez combien de gain on gagne? Hein? J'ai pas d'aller parler là, puis on va voir, on va vous aider, parce que ma maman m'a travaillé. L'autre de nos bagailles, c'est un obéissant à la vie. Oui, Hitler. Mélanie. Mélanie. Oui, qui sort, dit la langue. Oui, qui sort. Nous ne pouvons pas parler pour continuer encore. Hitler. Vite, je suis pressé, Rapido! Ça, ça y est là. Ça vient encore. Ah non, non, non! Allez! Oh, ça vient hier, ça vient aujourd'hui. Mais c'est toi qui les acheté. Moi, je me suis convaincu de mon remède au poitier. Oh, allez, non, on va manger, ça vient aujourd'hui encore. Allez, ça vient hier, ça vient aujourd'hui. Mais ça vient d'aller grand-bas de toi. Mais non, allez, prends pas les deux là, on va sortir.
Alors, comment avec ça? Madame, je salue hier, moi je salue aujourd'hui, alors moi je salue demain, alors là, son litanie s'anime. Mais qu'est-ce que vous dites à la paix? Je ne mange pas, je sors. De jour en jour, tu deviens plus difficile. Où est-ce que c'est là? Malin, dur, voilà. Là encore. Il y a mes 5 pantalons avec 6 chemises pour me parler de Godia. Mais même depuis 5h du matin, il faut que je m'en souvienne. Ouh, ça n'est pas très bon. Je ne suis pas capable de faire des délices. Là, il y a une pénuitive de jour en jour. Pénuitive. Quand il y a un vent sorti là, je sors. Je ne peux pas dire encore. Je ne peux pas faire tout le temps de même bagaille là. On va faire quoi? Non, ça ne veut plus que tu. Madame, faut que vous m'en oui. Là, là, bien planté. Je vais te mettre au courant. Tenez, à nous trois femmes, si nous mettons nous ensemble, nous sommes capables de corriger notre chat. Ça me pense. Corriger mon père. Vous êtes la Richard, c'est la guerre sans l'initiative de son mari pour corriger. Je t'écoute. Mais la nuit, son côté. Qui est-ce qui n'a jamais fait ça pour arriver la jour? Parce qu'elle a dit que nous hier. C'est vrai, où j'en dis hein? Parce qu'elle la clé. Ma fait ton tour à l'entour ou pas là, parce que mes filles se gardent dans tout, c'est oui. Qui peut faire ça, oui. Bon, quand il y a un contrat passé, c'est nous-mêmes, nous trois femmes qui avons subi la loi de chat. Comme si, je ne peux pas faire des choses, non, vous connaissez, c'est Marie, c'est papa. Je ne peux pas faire des choses, mais ils besoin de ça. Ils besoin de son même. Et vous-même, vous d'accord? Eh bien, Jodi a m'a montré l'importance de femme dans une case. Parce que le guichat n'a pas compris une valeur. Que c'est madame, que c'est folle, que c'est pitié. Nous sommes tous les trois très importants pour la bonne marche de foyer. Parce que après deux foyers qui va les femmes là-dedans, son foyer qui vide. Mais il y a des garçons qui n'ont pas compris ça, qui n'ont pas compris une valeur de femme dans une case. Le guichat tourne. Il va se déborder. Bon manger, Philippe. Mettez manger sous table là. Fais ma chambre comprendre, tracas, moi-même avec cuisinier, nous passer pour le prix d'aller manger. Ça fait abus. Oui, c'est abus. Et bien, je dis à nous, le ballon, le sang, n'a fait grève. N'a fait grève, même. N'a fait grève pour un jour seulement. Nous pas plus poche. Parlez-moi de ça, madame. Nous avons des samedis, couche la force, oui. Bon, moi, j'ai pas pu. Il y a pas qui vient manger, à 2h, on y est. Donc, on va manger sous table. C'est ça, madame. Tu vas aller, oui, grève pour un jour. C'est pas pour faire le point de la clé. Nous, chez toi, et puis on va aller bas. Qu'est-ce qui a passé? Ouvrez la porte là. Qui veut me mettre ici encore? Et bien, nous refusons. Ouvrez la porte là. Le dîner. Maintenant, je ne dois pas aller manger. Je ne vais pas manger aujourd'hui à nous. Sans venir là, marron. Pas aller manger. Remettez ça. Remettez. C'est pas nous, nous, vous, non. Vous pouvez nous, vous, 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 oui, oui. Monsieur Carpou, c'est nous son droit là, pour manger. Manger. Qui est ton droit lié? Eh bien, pour manger. Ça me donne là. Pas de manger? Pas de manger. Mais non. Oui, t'as toute son forme, pas de manger. Comment tu vas te manger? Ça veut dire là. Alors, m'entrer, vous venez, nous sommes travaillés à 2h, m'entrer après 2h. Une chita pour manger, bien grand coup, on pourrait pas venir, pas de manger. Ça veut dire pas de manger. Tout le monde a caractère d'occupation. Ou qui est si chemise à 7 pantalons pour me la nuit laver. Qui fait moi-même des obligations femmes. J'ai occupé de café femme. M'a fait ça, ça me donne pour faire. Mais la nuit même, depuis le matin, chita la laver, passé. Mais ça fait manger la cuisine. Tu fais manger la cuisine. Mais c'est ce que nous faisons, mourir dans vous. Mais oui, c'est mourir, on veut mourir dans vous.
Je vais te dire, moi, tu vas faire. Ah, mais non, pas pour une. Ah, heureusement que vous possédez 10 mois. Un homme qui possède 10 doigts, c'est une fortune pour un foyer. Ma fait ouais, que c'est moins qu'à foutre pas de jeunes. Ah, moins qu'à foutre pas de jeunes, ma vie. Parce que des scouts, pour la fin de manger. Vous savez? Alors, tu mets la question au coin de moi, j'amène. Passez mon tablier, assis, ça va le faire. Passez mon tablier. Nous pas quitter pour mieux porter la victoire sur nous. Attendez. Ah, nous, la fait ouais, c'est le même dans la fait moitié. Oh, on va aller. Comme ça. Là. C'est. Là. Là. Bon. Arrivé, là-bas, on met une leçon. Oui, mais. Là. Ma fait moitié, mon. Ah non, et c'est même seul qui a donné. Je ne vais pas donner, même seul a dit. Oh, vous avez ça. Vous avez ça pour prendre l'eau. Oh non, pas de manger. Ah non, non, non. A dit, l'eau. L'eau, c'est la plus vidée. Faut qu'on positionne tout le bagage autour. L'eau, c'est la plus vidée. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Bah, il va donner mon biscuit. Soit là. Coupez-le. Une tranche de pain, deux tranches de pain, deux tranches de pain. Ah! Ma compagne la bouche à nous. Louche! Pardon, tu nous allons ça. Ou louche, on va plus faire ça. C'est bien. C'est bien. Louche! Deux plats. Paris Marie-Bourg. Deux plats qui nous mènent vous. N'a pas eu le sur le là. Les grandes dames. Ça vous laisse. Il a dit ici. Ouvre le plat. On ne trouve pas. Bien ça. Ah, c'est déjà fini. D'accord. Nous avons fini. La vie a arrivé. Mais c'est agréable. Regardez, vous allez, ouais, je vais vous la faire passer martyr. Pour que vous mangez, regardez, vous mangez peut-être en quelques secondes. Mais, arrivé, c'est moi, avec vous. Vous allez donc vous faire une boîte. Et puis, vous pouvez vous faire une boîte. Ah, bien sûr. Ça, là. Maintenant, retire le tablier. On va manger. Ah, j'ai une vie là, c'est moi qui vous voyais. Non, je sais pas, c'est moi qui vous voyais, c'est moi qui vous voyais, c'est moi qui vous voyais. Tiens, je suis là. Est-ce que la couleur? C'est tout, voilà, c'est du. Avant, ou même après, même après, c'est évidemment. On a bon beau pied, non, mettre bon beau pied, mettre bon beau pied. Café d'ail, manicure, pédicure, le tout ça
travail, il pas même du bonsoir parce que depuis la route, manger, côté manger. Ah non, ça me d'affaire, on n'a pas de mettre là. Chante pour mon père. Oui, mais on a fait un peu, oui, donc. Non, ça va bien. Non, ça va bien. Non, je ne peux pas quitter mon regard. Je ne peux pas le sang. Je ne peux pas avoir importance sur une femme dans le cas. Je ne peux pas manger pour vous. Vous allez manger pour moi? Et l'année? Comment? Comment? Mangez-le. Mais. Oh, oh! Oh, je ne peux pas manger. Mais. Mais c'est vrai! Oh! Mais mon tout. Mais. J'ai ce cœur! Un cœur, c'est ça que je vais vous dire. Mais un cœur, ça va pas chier d'avoir pu ripoter pour nous, parce que je voulais rendre la vie possible, non? Oh non, vous dites ma ripoter, on ne fait pas du tout. On n'a pas besoin de ripoter, non. Non. À partir de lui, c'est fini. Je vais ma ripoter, mon enfant, dans le cas-là. À partir de lui, ma poule. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, bien sûr. Même si vous n'avez pas aimé, faites vos critiques dans les commentaires. Mais évitez les gros mots comme ou. Et puis abonnez-vous.